Bonjour mes petits sahbis, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui on est parti pour un haul de choses que j'ai achetées et de quelques trucs que j'ai reçus de Chine et de Body Shop. Bref, c'est parti, j'espère que ça vous donnera des idées. Je te préviens tout de suite, je déteste mon make-up, c'est un truc de ouf. Aujourd'hui c'était pas mon jour de make-up. Bref, on y va. Je vais pas me démaquiller, sensibiliser ma peau de bébé. Alors, dans un premier temps, j'ai reçu de chez Body Shop, de la part d'Ivancy, cette petite merveille. En fait, c'est une boîte où il y a plusieurs masques experts en échantillon pour pouvoir trouver celui qui vous convient le mieux. Et c'est trop mignon. Alors, un headband, 9 single use face mask. Voilà, 9, il y en a 9 exactement. Donc, c'est de la bombe parce que ça vous permet de voir lequel vous kiffez le plus. Franchement, je suis bien contente de pouvoir tester pollution clear in mask. Tac, tac. Oh, c'est trop mignon, je craque. Est-ce que c'est comme ça quand même? Je ne sais pas trop. Oh, c'est trop mignon, un truc de ouf. Oh non, j'adore. Mais elle n'a pas des yeux, hein? Ah ouais, ça défonce. J'aime trop. Il est tout doux. Donc merci Body Shop et Ivancy. Alors ce petit pull, il est trop mignon, je l'aime trop. Il vient de chez La Redoute. Franchement, je l'aime trop. Je l'aime trop. Et il est toujours disponible. D'ailleurs, pour La Redoute, je vous mettrai un code promo en barre d'infos. D'ailleurs, je suis contente parce que quand je l'ai reçu, il était un peu coincé. Et là, je suis trop bien dedans. Je me sens libre comme l'air. Bref, donc ce petit pull, il est trop mignonnette. Il est tout doux à l'intérieur. Et ça vaut le coup, je vous mets le lien en barre d'infos mes petits amis pour tous les articles présentés actuellement. Petit froufrou mignon, voilà, tout à fait mon style. Alors ces petites derbies que je pouvais pas me voir en peinture, j'ai mis 3 quarts d'heure à faire le nœud, je te dis pas, j'étais au bout de ma vie, j'étais super vénère, un truc de ouf. Mais au final, en les ayant essayées bien mises, franchement au début elles sont un peu rêches. Mais là, je me sens super à l'aise dedans et franchement, je me suis réconciliée avec. Tu vois ce que je veux dire? Alors, elles ne plairont pas à tout le monde, mais je trouve qu'elles sont trop mignonnes. Et toujours ça vient toujours de La Redoute et elles sont toujours disponibles. Donc voilà. Mais franchement, je me sens trop à l'aise dedans et je me suis réconciliée avec, tu vois. Au début, je me suis dit, mais qu'est-ce que t'as été acheté? En fait, je les aime bien. Le nœud, il est mignon, en fait. Donc, après, de chez Chine, j'avais demandé ce blouson. Et je sais pas, il est beau, hein, franchement il est beau, mais la matière elle me désole, je sais pas pourquoi, je peux pas te dire comment, mais je le kiffe parce qu'à l'intérieur c'est super doux et franchement il tient chaud. Alors en scooter je dirais pas non d'avoir ce manteau, non franchement il est beau quand même, mais peut-être parce qu'il est rigide, parce qu'il est tout neuf, peut-être Belek, c'est ça, je sais pas, mais franchement il est super stylé parce que j'avais kiffé celui à Nabila et même tous ceux qui vendent en magasin chez Zara, Bershka, il y en a un avec la fourrure rouge à l'intérieur. Oh, comment qu'il est trop beau, ça fait un truc de ouf. 45 palos, c'est pas très cher. Enfin, là, la fourrure, elle est sublime. C'est de la fausse fourrure, bien sûr. Franchement, il est super beau, je trouve. Mais je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez de la matière. Enfin, la matière, et mon chéri me dit qu'elle est un peu grande. Moi, je trouve pas. Surtout si tu mets un pull, un gros pull en dessous, elle est pas trop grande, non, je pense pas. Comment je vais faire pour vous montrer avec la veste? Tu vois? Elle est comme ça. Elle est belle, hein? Franchement, il n'y a pas à dire, elle est super belle. Mais je sais pas. La ceinture, là, ils auraient pu l'accrocher ou lâcher hop. Mais bon, non, franchement, elle est belle. Et le truc, c'est qu'elle tient super chaud, quoi. Moi, ça, ces vestes-là, c'est trop mon style, j'adore. Donc, je vous le mets le lien en barre d'infos, mes petits amis. C'est du quelle taille? J'ai pris du quelle taille? Je vais vous le dire tout de suite. C'est du M. Ouais, elle taille quand même un peu grand parce que j'aurais pu prendre du S très franchement. Mais l'intérieur, il est délicieux quoi. Délicieux, tu te sens protégé. Je sais pas, peut-être en le portant plusieurs fois, il va se dérigidifier ou lâcher, hop. Mais je trouve qu'il me va super bien. Dites-moi ce que vous en pensez, mes petits sarbis, mise au point, s'il te plaît, reste tranquille parce que tu commences à me zaf. Non, franchement, je l'aime bien, tu vois, mais je sais pas. Je pense qu'en le portant, il va prendre un meilleur pli. Mais il me semble que c'est exactement la même matière que celui de Bershka. Donc, bon. Enfin, bref.
je le kiffe quand même. Après, toujours de chez Shein, j'ai pas ouvert encore, je sais pas ce que ça va donner. On va le découvrir ensemble. J'avais demandé, oh là là, grande surprise ou les grandes déceptions. J'ai repris un jean avec une bande blanche sur le teco. Et on va voir si je rentre dedans. Oh, il m'a l'air bien élastique. Si mon cul ne rentre pas là-dedans, c'est vraiment qu'il y a un problème. Ah ouais, celui-là, je pense qu'il va m'aller. La matière, ça passe. Je l'ai pris. En quelle taille ? Schnawa, ils ont enlevé le ticket. Oh, il m'a raté la bande sur le teco, elle est un peu transparente. Hein. Attends. Il n'y a pas la taille. Ok. Bon, on va voir ce qu'il donne. On va voir ce qu'il donne celui-là, je l'essayerai après. Et j'avais pris un haut. Je sais pas si je vais le kiffer. C'est le col Claudine qui m'a fait kiffer, mais les perles, je peux plus me les voir en fait. Oh, il a l'air d'être beau. Ah ouais, il est beau. Ouais, il est beau. Mais il est grand, c'est quoi ce délire? Les Schnawa, ils sont pétés un câble ou quoi? Ah ouais, j'ai pris du L. Bon, mais allez. Bon, j'ai pris du L. J'aurais mieux fait de prendre du M. Je suis dégoûtée, mais c'est pas grave. Avec un petit volant en dessous, comme ça. Il a l'air mignon, mais tu vois, moi j'ai pris du L pour pas qu'il m'arrive trop court et qu'on voit mon boule. Alors bon, non, il est mignon celui-là, franchement il est mignon. Bon, on va essayer ça tout de suite et je reviens. Donc voilà ce que ça donne au niveau du haut. Il est un peu grand, je pense. J'aurais vraiment dû prendre une taille, deux tailles en dessous même, parce que celui-là, il est vraiment grand. Mais cela dit, il est très beau. La matière, ma foi, ne me dérange hier. Alors, le pantalon, j'ai demandé du XL comme une bagra. Et comment te dire qu'il est super grand. C'est très élastique. Bon alors, je l'aime bien, mais la matière est un peu dérangeante. C'est le genre de matière, c'est le pantalon en gros que je porterai avec un pull long. Parce que c'est le genre de matière, déjà il est trop grand, donc il va me faire vite un dégoulet là. Tu vois, regarde, il est super grand. Et c'est le genre de matière qui marque tous tes défauts paradoxaux de ton corps. Mais cela dit, j'adore. Il est trop beau ce pantalon. Mais il est vachement trop grand. C'est dommage, mais pour une fois que je rentre mon fion dans un pantalon de Schnawa, ouais, j'ai envie de te dire oh là là, comment je suis gaise. Enfin bref. Bon, le haut il est très mignon quand même, hein. Mais bon. Voilà le comble d'une gonzesse qui achète des vêtements et qui demande des vêtements quand elle est en plein régime. Enfin bref, ce pantalon il est mignon, hein, vraiment. Je trouve qu'il est mignon, il passe avec ses bottes là. Je sais pas ce que t'en penses, mais bon. Bref, mais tu vois, XL, j'aurais dû prendre du M pour une fois. Sinon, ça passe crème. Alors après, mes sarbis, je t'explique l'histoire de cette tenue. J'ai trouvé une meuf sur Instagram, elle est trop magnifique. J'adore comment elle s'habille, c'est un truc de ouf. Du coup, quand j'ai vu cette tenue sur elle, je n'ai pas pu m'empêcher de commander parce que j'ai trouvé ça trop classe. Bref, alors le pull il vient de chez Bershka, j'ai pris du M, 15,99€ et franchement il taille super petit. Mais c'est pas grave, quand je vais perdre un peu de kush, vu que je suis en plein régime, j'ai perdu 3 kg depuis le début, c'est pas grand chose, mais crois-moi que je le sens bien dans mon fion. Parce que moi je prends tout de là, je suis une bouteille d'orangina. Je prends de là, du là, laisse tomber. Après, le pantalon. Je l'ai pris en M, 17,95€. Je l'adore, il est magnifique. Je trouve pas qu'il me grossisse avec les traits comme ça, tu vois. Est-ce que tu peux Franchement, j'adore. Je sais pas si vous verrez bien, mais je l'adore, il est magnifique. Tu sais rien, c'est un espèce de jour où j'ai pas ma matière. Et ça se trouve, t'as même pas de cerveau. Ça va bien avec mes derbies, je sais pas ce que vous en pensez. Parce que la fille que j'ai suivie sur Instagram, elle le porte avec des talons, mais moi je sais pas marcher avec des talons, donc je vais pas m'aventurer. Le savoir quand on commence à mettre une talomania. N'empêche, ce haut moutarde, un gros big up à ma soeur parce qu'elle adore cette couleur. Non, franchement, il est trop beau ce haut. Mais j'aurais dû prendre en elle. Mais c'est pas grave, mais Alish, quand je serai plus que, si, il va mieux me reconnaître. Non, parce qu'il est magnifique ce haut. J'aime trop. Et ce pantalon, c'est un de mes coups de cœur, j'adore. Il est très très classe et voilà. Ça me permet d'être un peu féminine. Donc je vous mettrai l'Instagram de la demoiselle que j'adore ici. Son style il est adorable, en plus elle propose des vêtements qui sont accessibles et des fois je passe mon tour, mais c'est génial, ça m'inspire dans mon devenir de femme, tu vois ce que je veux dire, franchement magnifique, oh, j'adore. Après mon
pantalon. Mais celui-là, franchement, c'est pas trop. Soit ma morphologie n'est pas adaptée avec le pantalon, ça, je dis, bah, je vais pas mettre avec ça. C'est juste parce que c'est rouge et qu'il y a du rouge dessus. Là, je vais accorder, mais ça va pas du tout prendre. Je te l'accorde. Ce pantalon, ouais. C'est un peu mal à la tête, ce pantalon. Et je sais pas, ici, là, ça me dérange. Le tarsier, Marne. C'est quoi ça? Je l'ai pris en M2995. Celui-là, je pense que je vais le retourner d'où il vient. En plus, il est super court. Moi, je fais 1m60. J'imagine pas une grossesse qui fait 1m70. On est mort dans le game. Là, il est limite. C'est la limite de mon gap. Non, j'ai pas du tout ce qu'on a. Au secours, au secours. Voilà. J'ai voulu. Je sais pas. Mon corps n'est pas approprié avec le CLO. En plus, la matière, c'est pas comme l'autre, j'aime pas du tout la matière. Donc, je dis, je m'enlève de ce genre parce que je me rigole. C'est quoi ça? C'est une horreur. Donc, après, j'ai pris ce pull de chez Bershka. Alors, j'aime bien parce qu'il est long, il est fendu sur le tricot. Je sais pas trop si je vais le renvoyer celui-là. Mais j'ai pris du L et je suis trop conne. 12,99€, j'ai pris du L, j'aurais mieux pu prendre du M. Mais bon, j'aime bien moi quand tu caches mon boule, ça n'a pas de. Rien du tout, tu vois. Après, j'ai pris ce jean, toujours. Toujours chez Bershka. Non, ça c'est Stradivarius, je vous raconte de la merde là. Il est où le ticket? C'est Bershka, le pull vient de chez Bershka, le jean de chez Stradivarius, voilà. Alors là j'étais trop conne, je l'ai pris en 40, et voilà, je vais porter une fois, il va être 10 fois trop grand. Et déjà là, je sens qu'il est trop grand, j'aurais mieux fait de prendre du 38. Mais franchement le jean est sympa, j'étais un peu dépassée par les perles, mais je trouve qu'il fait son effet celui-là, il est joli, franchement il est joli. Mais je suis dégoûtée, je crois que je vais le renvoyer, je vais le rembourser, et parce que regarde. Les jeans que j'ai acheté, c'est pas possible, ça c'est quand c'est bien trop grand. Donc voilà, je deviens gentil, j'aime bien être à l'aise dans mes jeans, mais pas à ce point. C'est bien ça, parce que j'ai maigri, mais ça fait chier. Non, ce jean il est joli quand même, j'aime bien, franchement j'aime bien. Donc après il y a ce jean push-up de chez Bershka, 19,99€, je l'ai pris en taille 40. Ça va, il est large, bon quoi, exemple. Mais il est pas... Règlement de compte, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, celui-là, il taille un peu petit. Taille GH3, ça veut rien dire du tout. Celui-là, je vais le garder. Petit pull, pareil, je crois que c'était chez Bershka. Crème parfait. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est 10 balles. Quand un crème est parfait, on dit que c'est un accident. Ça passe partout quand t'as pas envie de te saper, voilà. Tu mets un pull fabuleux, tu t'auto-complimentes et ça va mieux toute la journée à s'armer. Donc ça, je vais le garder aussi, pareil. Ce jean là, j'adore, franchement, il est trop mignon, 19 balles, ça passe, crème. Donc après, j'ai pris encore un petit pull comme ça, 9 balles, ça passe, crème, voilà. Je trouve qu'il taille un peu petit, ceux-là, je sais plus quelle taille j'ai pris, ça. Attends, du L, ouais, il taille un peu petit, ceux-là, ça correspond plus à un M qu'un L. Donc faites attention, et j'ai pris ce jean, comment te dire que je te le conseille pas du tout. Alors là, il est tout propre, je l'ai lavé. Mais dès qu'il va plus, enfin je l'aurais porté la journée, bah voilà, regarde. C'est du 40, bon ça je le savais, hein. Mais comment il s'élargit, c'est un baggy le bordel, ça ressemble plus à rien. En fin de journée, laisse tomber quoi. Tout le style de ta tenue aura changé comme par magie. En plus, je l'ai passé à la machine une fois, bon, ça a l'air d'aller. Mais le velours là, le mec il est complètement con, il aurait pu trouver une autre matière qui s'effrite moins quoi, tu vois. Première fois que j'ai reçu ce jean, il était bouffé par les rats, comme ici d'ailleurs. C'est un jean qui va s'abîmer très vite. Donc voilà quoi, faites attention, je vous déconseille ce jean. Voilà. Je vais le porter toute la journée, déjà là, ça va plus du tout, ma chérie. Voilà. Après, j'ai pris ce pull. Oh, c'est pas un grand kiff, hein. Franchement, j'ai pris du M. Je sais pas si j'aurais dû prendre du S, mais... pas top quoi, c'est un pull quoi, tu vois. Je vais le garder quand même parce que voilà, c'est du M, il est un peu court, mais c'est pas grave, je vais le garder quand même celui-là. En plus, les manches elles sont lourdes, t'as l'impression que tu vas tomber par terre, c'est un truc de ouf. Enfin bref, celui-là il est mignon, mais c'est voilà quoi, c'est
Pas trop un grand kiff pour Tata. Après, il y a ce pull chez Bershka, je le kiffe, c'est un truc de ouf. Pas avec ce jean, hein, laisse-le tranquille, lui, oublie-le. Celui-là, je le kiffe, il existe en rose. D'ailleurs, il est aussi magnifique, sauf que l'écriture, elle est sur les manches. Je pense que je l'achèterai plus tard, parce que je le kiffe trop. Par contre, j'ai pris du L, bon, c'est pas grave, ça cache mon pion. Mais j'aurais pu largement prendre du M. J'adore ce pull, je le kiffe. Regarde-moi cette beauté. Oh non, je l'adore. J'adore. Donc après il y a cette robe pull, c'est censé être une robe. Ouais, ça passerait en robe, remarque, ça va. Je mets des collants opaques, ça passe crème. Moi j'adorais le truc Follow Me, c'est tout con, mais j'ai kiffé en fait. En plus c'est rouge, donc du coup, voilà. Mais je pense que je la mettrais plus en pull, je sais pas, mais à la belle, je kiffe. Je sais pas, non, ça va mieux en robe. Ah, je sais pas trop. 17,90€, je sais pas, ça se trouve je vais la renvoyer. Je ne sais guère. 17,99€, je l'ai pris en ML. J'aurais mieux fait de prendre en S si j'aurais voulu la mettre en pull. Mais je trouve ça mignon, quoi. C'est... J'aime beaucoup. Je ne sais guère ce que je vais faire de cette robe bizarre. Voilà. Elle est belle, mais je sais pas. Pour une fois, les manches 3 quarts ne me dérangent guère. On verra bien. Peut-être que je la porterai avec des collants, basket, perfecto. Bon, instant. Et en dernier, j'ai commandé un gilet, je le voyais un peu plus épais. Je l'ai pris en L, je trouve qu'il taille un peu chelou. Mais il est beau, hein, il est doux. Voilà, quoi, il est, c'est un peu grand quand même, je sais pas. Je vais peut-être le garder celui-là, ça sert toujours. Et il coûtait 17,99€ de chez Bershka. Mais je sais pas, j'étais déçue en le recevant celui-là. Pourquoi, je ne saurais te dire. Plus je vieillis, plus je deviens exigeante. C'est normal. Ouais, il est vraiment fin ce gilet, hein. C'est pas avec ça que t'auras choisi à servir. Ah oui, j'avais oublié ce coup de cœur. C'est une veste qui vient de chez Zeman et franchement, je la kiffe. Je l'ai payé 24€. Bon, j'ai pris du 40 parce que c'était la dernière. Il n'y avait pas 38, mais je l'aimais trop. Je l'ai essayé, j'ai dit non, il me l'a faut. Sinon, je vais regretter. Donc voilà, je l'ai pris à Zeman, je sais pas comment ça se prononce, à Étampes. Elle est trop canon, j'aime trop. De très bonne qualité et franchement elle m'a tenu chaud toute la journée la dernière fois, donc je vous la conseille vivement, elle est sublime. J'en ai fini pour aujourd'hui, je pense que je vais renvoyer pas mal de choses, les jeans à perles, la robe rouge. Peut-être le pull rose, je ne sais guère. Bref, on se voit toujours plus grosse que l'on est. Et ça, c'est le cas des gonzesses qui sont en plein rééquilibrage alimentaire tout bazar, qui perdent des tailles et qui ne s'en rendent pas compte. Même si la balance, elle commence à diminuer. Bref, et en parlant de ça, je voulais vous partager aussi une application qu'une Sarbi m'a partagée, c'est de la bombe atomique, et ça s'appelle Yuka. C'est la petite carotte, là, Yuka. Et ça, en fait, tu scannes tes articles. C'est une application où tu scannes tes articles, je vais te montrer. Par exemple, ces plats-là, de chez Jardin Bio, je les achète à Carrefour, c'est de la bombe atomique. Franchement, en plus, Yuka est valide, alors je vais te dire franchement, nickel. C'est bourré de protéines, voilà, tu scannes, tu te prends pour une caissière 5 minutes. Je te cache pas qu'après, ça devient... tu scannes tout après, quand tu es en train de faire tes courses, tu scannes tout. Alors, après, il te dit protéines, 6,9. Et ça, excellent, 100 sur 100, ça veut dire que c'est de la bombe atomique, il n'y a pas de merde dedans carrément. Alors, bio, produits naturels, protéines, quelques protéines, fibres, excellente quantité, calories, faible impact, graisse saturée, peu de graisse saturée, sucre, peu de sucre, sel, faible impact. Franchement, le mec qui a inventé ça, oh, je le kiffe. Limite, j'en ai acheté plusieurs et je vais retourner en acheter parce que ça, c'est génial. T'as pas faim, t'as un repas et en plus ça te réconcilie avec le... La dernière fois j'ai goûté tofu, je sais plus ce que c'était, quinoa au tofu. Et c'était génial quoi, franchement, j'adore ces plats. Donc si vous goûtez, n'hésitez pas à le dire à Tata, ça c'est de la bombe. Validé par Yuka, qu'est-ce que demande le peuple. Voilà ce qui m'a réconcilié avec le tofu. Le boulgour à l'oriental, c'est un truc de ouf. Aujourd'hui c'est végé, source de protéines, source de fibres. Et ben franchement j'ai kiffé ce truc, c'est de la bombe atomique.
Bref, j'en ai fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me rejoindre sur Snapchat, sur Instagram, sur Kouldouche. Je te mets ça ici, en bas, si j'oublie pas, parce que j'ai pas de cerveau. Et voilà quoi, on a fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, qu'il y aura au moins une des peu ça qui t'aura plu. Je te mets tous les liens en barre d'infos. Et voilà, n'hésite pas à me dire quel article tu as préféré, quel article tu as détesté. Voilà. Je vous fais des bisous mes petits amis. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Salam alaikum, les gentes.